17e chapitre de la Bhagavad Gita. Les branches de la foi. Arjuna dit: quant à ceux qui ne suivent pas les principes des Écritures, mais se vouent à un culte de leur invention, quelle est leur condition, ô Krishna? Est-ce celle de la vertu, de la passion ou de l'ignorance? Le Seigneur bienheureux dit: selon la nature des influences matérielles, les gunas, reçues par l'être incarné, sa foi peut appartenir à trois ordres: la vertu, la passion ou l'ignorance. Entends là-dessus ma parole. Selon quel guna marque son existence, l'être développe une foi particulière, au Bharat. On le dit de foi telle ou telle, selon qu'il baigne en l'un ou l'autre. Les hommes que gouverne la vertu vouent leur culte aux demi-dieux, ceux que domine la passion aux êtres démoniaques, et ceux qu'enveloppe l'ignorance vivent dans le culte des fantômes et autres esprits. Les hommes qui s'imposent des austérités sévères, mais non conformes aux Écritures, s'illibrant par orgueil, égotisme, concupiscence et attachement, poussés par la passion, et qui torturent ainsi leur corps sans comprendre dans leur inconscience qu'ils me torturent aussi, moi, l'âme suprême sise en eux, ceux-là, sache-le, sont des asuras, des démons. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.